Bienvenue dans cette nouvelle page de l'Encyclopédie des Terres d'Orun. Point de commencement, celui que l'on appelle l'an zéro du primage, le temps se mit à s'écouler. À ce moment-là, le silence infini qui emplissait ces terres que le néant avait vu naître prit fin. Les différents plans qui alimentent le plan de vie s'animèrent, faisant souffler le vent, agitant les océans et réchauffant la terre de l'astre du jour. Faerin, déesse du soleil et la première des divinités nouvelles, prit donc vie en même temps que les créatures d'Orun et celles de Gelien. Elle fut suivie, lors de la première nuit, de Ménélis, l'astre de la nuit. Un bruit étonnant qui parut assourdissant aux dieux habitués au silence s'éleva donc composé de chants d'oiseaux qui découvraient leur voix, d'arbres qui pouvaient enfin se mouvoir au rythme du vent, d'êtres vivants qui, tous ensemble, inhalèrent leur première bouffée d'air. Les premiers hommes et elfes prirent également vie. Ils découvrirent autour d'eux un monde qu'ils devraient apprivoiser et dans lequel il leur faudrait trouver leur place. Pour les y aider, Orun leur accorda un langage, celui appelé aujourd'hui la langue du primage, qui leur permit d'échanger entre eux et surtout d'écouter les préceptes d'Orun. Le père de nos pères leur expliqua son projet, qu'ils devaient faire de cette terre celle de leur prospérité à tous. Mais comme il leur faudrait des guides dans cette entreprise, il créa deux autres types de créatures pour les accompagner. Les géants primordiaux, munis d'une grande sagesse, éduqués au langage et chargés de modeler la terre pour répondre aux besoins des hommes et des elfes, tout en leur inculquant les préceptes d'Orun et en leur apprenant la patience. Et les esprits, formes sauvages de la volonté d'Orun et de Gelien, chargés d'assurer la tâche de gardien des domaines sauvages et limiter l'ambition des premiers-nés aux seules terres qui leur étaient réservées. Dans le même temps, les nains de Tran, cachés dans les montagnes, prirent également vie. Le langage du primage ne leur fut pas enseigné par Orun, mais Tran leur offrit un langage secret, basé sur des runes et consonances basses, pour que seule la terre soit témoin de leur existence. À cette époque, bien que le temps s'écoulait, les premiers-nés d'Orun étaient bénis d'une vie éternelle. Ainsi, les enfants d'Orun, pas encore entravés par les affres de la mortalité, construisirent les premières sociétés. Avec ces premières sociétés naquirent les premières formes d'organisation sociétale, la notion de travail, de marchandage et de voyage, et naquirent ainsi les autres dieux nouveaux, résultant de prières ignorées des premiers-nés. Avec eux, survinrent des parts plus obscures de la personnalité des premiers-nés et l'émergence d'un premier âge sombre.